Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et là je vais vous parler d'un roman post-apocalyptique. Voilà, c'est tout un programme, en fait j'avais jamais fait encore de ce type de roman sur ma chaîne et en fait c'est une littérature que j'aime beaucoup et là c'est vraiment vraiment un très bon livre, c'est le tome 1, c'est B219, écrit par Dave Turcotte-Lafont qui est un auteur canadien. C'est le début, là c'est le tome 1, il est sorti en 2020. Il est juste génial. Je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais pas vous spoiler. C'est un roman post-apocalyptique. On suit l'histoire en fait de Christophe, Pierre et Goose. Alors Christophe et Pierre, c'est deux frères. Goose, c'est un ado. Ils sont dans un monde qui est dévasté. Donc là, on est ils commencent au 322e jour après l'apocalypse qui a mis le monde dans un... C'est une catastrophe. Il y a un virus qui a muté et qui fait que les gens infectés se transforment en une espèce de zombies. Enfin, les descriptions des zombies en plus sont géniales, mais je reviendrai là-dessus après. On suit Christophe et Pierre, les deux frères, qui se retrouvent là. Ils ont Goose avec eux, qui est un ado assez taciturne, qui parle peu, un peu mutique quand même. Là, j'en dirai pas plus là-dessus. Mais en fait, on est dans un monde qui est totalement dévasté. On est déjà bien avancé en plus. Hein. Ça fait déjà presque un an qu'ils vivent dans ce monde. Là, ils sont barricadés dans des maisons vides, ils sont dans une chaleur étouffante, ils ont pas de quoi se laver, ils ont pas de quoi manger, ils essayent vraiment de faire des expéditions comme ils peuvent pour essayer de trouver à manger et ils essayent surtout de ne pas tomber sur des infectés qui pourraient les mordre. Alors franchement, on est saisi dedans, on est tout de suite dans l'ambiance. Moi, j'ai vraiment adoré ça, c'est le type d'ambiance que j'aime. Vous êtes totalement happé, vous êtes dans la survie avec eux, c'est tous les modèles de la survie que j'aime, parce que là vraiment on les voit, ils pissent dans des seaux, enfin ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour rester vivants. Il y a des moments, il y a des bons coups de stress, en plus ces zombies là, donc comme je vous ai dit, ils sont très très bien décrits, c'est vraiment, ils ont les chairs ont pourri, ils ont des mâchoires qui claquent, il y a des liquides biologiques qui leur coulent des yeux un peu partout, enfin ils sont vraiment, les descriptions sont vraiment bien. Si vous aimez tout l'imaginaire autour du zombie de Romero à The Walking Dead, je pense que vous allez vous régaler vraiment. J'ai aimé le fait que voilà, les rues sont désertes, ils vivent là où ils peuvent. Il y a des immeubles entiers totalement déserts, mais en même temps, voilà, ils rencontrent d'autres personnes qui essayent de survivre, des personnes qui... On est déjà dans un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est bien avancé. L'apocalypse vient pas juste d'avoir lieu, donc c'est très particulier. Ils font des mauvaises rencontres, voilà, ils font un petit peu ce qu'ils peuvent. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Et puis il y a l'appel de la nourriture, on sent que voilà, ils en peuvent plus, ils ont plus de toute façon, ils ont plus d'énergie, ils ont plus de muscles, donc il faut aussi qu'ils essayent de manger. Alors la nourriture qu'ils peuvent trouver, quand ça fait un an que le monde est parti en cacahuète, c'est limite, voilà, ils trouvent des espèces de boîtes de conserve, tout ce qu'ils peuvent, ils le mangent. C'est vraiment une ambiance que j'ai vraiment adorée. En même temps, il y a des petites accalmies où on les voit vivre comme ils peuvent. Alors à un moment, ils jouent à risque, ils font des parties de risque quand il y a des petites accalmies et que dehors c'est plutôt calme et qu'ils peuvent se permettre des petits moments comme ça entre eux, c'est assez sympa. Ils retrouvent aussi dans les différents lieux où ils vont, parce que voilà, il va y avoir une espèce d'errance, hein, c'est la survie. Et en fait, à un moment, ils trouvent des bouquins, ils trouvent un bouquin de Sénécal, donc il y a des petites références comme ça qui sont sympas, il y en a un qui retrouve de la musique. En fait, je vais pas tout vous dévoiler, mais c'est vrai que c'est sympa aussi de voir ces petits moments-là. C'est un livre qui est, comme je vous l'ai dit, l'auteur est canadien. Il a écrit, c'est ce qu'il explique au début, hein, de son livre, il l'a écrit en français international, mais en revanche les dialogues sont en français canadien. Alors avec plein de petits mots, vraiment, ça j'ai adoré. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation en plus, non mais vraiment, vous allez pas me croire, mais il y a des expressions canadiennes que je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'ai dû faire Google Translate pour un livre francophone quand même. Non mais j'exagère un peu, mais vraiment c'était trop mignon, leur tournure de phrases, leur... Et puis ils s'envoient des trucs, parce que des fois c'est dur quand même, j'en dévoilerai pas plus, mais on voit aussi la personnalité des protagonistes, il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes, il y a des données qui sont très précises aussi sur la survie, j'ai trouvé ça bien. Et puis ce virus, ben voilà, franchement, quand on lit ça, on a vécu nous une pandémie, alors heureusement on n'est pas arrivé à de tels extrêmes, mais je trouve que c'est toujours vraiment vraiment intéressant de voir la propagation et tout ce que ça va impliquer, c'est vraiment bien. Alors en plus, ce qui est sympa aussi, c'est qu'au début, c'est, pour reprendre un peu une expression
solution hein, qui est dans le livre, au début c'est la merde. Voilà. Et en fait on avance dans le livre et on se dit, avec le recul, on relativise, on se dit finalement au début ils étaient pas si mal que ça, parce que je peux vous dire que ça part vraiment, voilà. Donc ça c'est le tome 1, la fin est géniale, donc j'ai vraiment envie de lire la suite. Et vous avez aussi toute une série qui a été écrite par le même auteur qui s'appelle YouTuber, donc je pense que vous en avez probablement déjà entendu parler. En tout cas c'est vraiment un auteur qui, il faut vraiment le connaître, parce que c'est une écriture qui est vraiment très sympa et tout un monde post-apocalyptique qui est hyper bien construit, donc je pense que vous allez vraiment vous régaler. En tout cas moi j'ai aimé, vous l'avez compris hein, je pense. Après pour l'auteur Dave Turcotte-Lafont, c'est un auteur qui est très accessible sur les réseaux sociaux, il adore parler avec ses lecteurs, donc n'hésitez pas à aller le voir sur Facebook, sur Instagram. Il sera également présent, il va venir en France à l'occasion du Frisson Festival, qui est un festival qui est organisé pour mettre justement les livres d'horreur et donc ce type de littérature à l'honneur. Donc, je trouve ça bien. En plus, je fais juste une petite aparté là-dessus, mais la littérature horrifique est pas forcément toujours bien mise à l'honneur, en tout cas dans le monde du livre actuellement, dans le sens où c'est plus compliqué de trouver certains livres horrifiques ou post-apocalyptiques avec une traduction, ou voilà, c'est moins vendeur peut-être, mais en tout cas c'est plus compliqué à trouver, où on les trouve en occasion dans des versions très anciennes, donc c'est peut-être quelque chose qui plaît moins ou qui a un public déjà, plus un public de niche, voilà, chacun ses goûts de toute façon, mais ça mérite aussi justement voilà, son petit festival, je trouve que c'est sympa. N'hésitez pas, en tout cas Dave Turcotte-Lafont, il écrit des récits horrifiques, des slashers, des choses vraiment très intéressantes, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. B219, un livre que je vais continuer, une saga, une série que je vais continuer. En fait j'aurais envie de dire tellement de choses dessus, mais je vais pas vous spoiler hein, c'est pas le but. Voilà. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, c'est toujours un plaisir de vous parler de mes petites lectures. Alors je vous souhaite donc de belles lectures, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément notre travail, et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas. Vous pouvez également activer les petites cloches de notification, comme ça vous serez prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, et bien moi je vais vous laisser, je vais aller bouquiner. Je vous souhaite donc une bonne continuation et puis on se voit la semaine prochaine comme d'habitude. Bye bye.